Oui, parce que on nous attend toujours mieux. Tu me dis, on ne peut y aller? Allez, c'est parti. Jean-Marie, bonjour. Merci en tout cas de venir dans ton émission. J'ai envie de se faire plaisir. Ah ouais, ouais, voilà, c'est comme ça. C'est pas une émission, c'est une chronique qui s'appelle Rencontre avec une légende. Voilà, c'est la nouvelle saison et ça nous fait très plaisir de t'avoir parce qu'on a plein de choses à se raconter, à se dire. Ouais. En tout cas, ça nous fait un énorme plaisir que tu aies accepté cette invitation. Ça te va? Mais moi, ça me va parfaitement, forcément. Et revenir, on revient un peu dans la lumière. C'est ça qui est aussi sympa. On sait que le lien rugby n'est jamais rompu. C'est ce qu'on ouais. évoquait ensemble. Et puis, forcément, on a quelques souvenirs en commun. Mais surtout toi. Moi, j'ai eu la chance, on en parlera pendant le long de cette interview, de jouer avec toi. Et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles tu t'attaches. Le fait de vivre ensemble, de garder des liens. Voilà. Et c'est vrai que les valeurs du rugby, elles procurent tellement de belles choses. Bon, on ne va pas faire non plus un monologue sur les valeurs. Moi, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur ta carrière parce qu'il y a de belles choses à raconter. Ouais. J'aimerais qu'on parle de tes débuts aussi parce que tu as commencé, si je ne dis pas de bêtises, au SC Tulliste. C'est ça, en Corrèze. C'est Tulle, oui, c'est ça. Sporting Club Tulliste, effectivement, originaire de Tulle en Corrèze. Et bon, il n'y avait pas 50 000 choses quand on était jeune, c'était ou le foot ou le rugby. Donc bon, j'ai choisi le rugby. je pensais que foot, ça me correspondait plutôt mieux. Ouais. Et effectivement, il y avait surtout mon frère avait tracé un peu la voie parce que ouais. mon frère aîné avait 5 ans d'écart avec moi. Il jouait déjà au rugby, donc forcément, ouais. ça m'a entraîné vers le rugby. Et puis je me suis plu parce que moi j'étais plutôt un garçon un peu timoré, un peu timide, tout ça. Et le rugby ouais. m'a apporté énormément de choses à ce niveau-là ouais. parce que ça m'a permis de pouvoir m'épanouir, de voir que ben, collectivement on pouvait faire réaliser pas mal de choses. Et puis voilà, après c'est la sauce commence à prendre et c'est fini. Après tu t'arrêtes plus quoi. J'aime bien parce que chaque fois, alors attention, je ne vais pas t'offenser, mais chaque fois que je parle avec les anciens, ils te disent toujours la même chose. Quand tu la mets en esprit, quand on est ensemble, là, ça... oui, oui. Il faut le rappeler. Tu es issu aussi d'une famille de rugby parce que tu as tes deux frères qui ont joué oui. aussi. Effectivement, mon frère aîné Pierre qui a 5 ans de plus que moi, donc qui a joué au Sporting Club Tulliste, et j'ai mon jeune frère aussi Dominique qui a 5 ans de moins, puisque moi je suis au milieu, a joué aussi, démarré au Sporting Club Tulliste et avait joué aussi en espoir au Stade Toulousain. Après, ça n'a pas marché, mais en tout cas, on est une famille de rugby, ouais, ça c'est clair. On a donné notre corps aussi, pas qu'à la science, mais au rugby aussi. Rugby. Jean-Marie, tu as commencé très jeune, à l'âge de 7 ans. Est-ce que tu as un peu des souvenirs de cette période? Oui, j'ai de très très bons souvenirs parce que forcément, je joue avec des camarades à l'école. Et puis, on a surtout eu la chance d'avoir un entraîneur extraordinaire et emblématique qui venait de Béziers, il s'appelle Paul Marty. Et son fils était dans l'équipe, donc on était très très copains, hein, et on s'appelle aussi souvent très régulièrement. Et on a eu la chance d'avoir un technicien du rugby qui nous a vraiment appris à ce que c'était que le rugby. Alors la technique c'était un fait, mais avant la technique il fallait quand même avoir la phase obscure du rugby. Mais moi j'ai commencé trois carrels, donc mais non. J'étais un peu épargné au début. Je ne pouvais pas le dire, mais j'étais un peu épargné par le combat d'avant au départ. Mais bon, après, forcément, le temps a fait son œuvre et puis j'ai grandi un peu prématurément. J'ai pris 16 cm en un an et voilà, donc je suis passé de 3 carrels à 3e ligne, 3e ligne centre et puis après, seconde ligne. Et t'en dis, viens voir un peu de comment ça se passe, surtout en mêlée. Ça s'est fait quand, ça? En cadet, junior? Oui, c'est la transition, c'est physiquement en 17-18 ans, ouais. 16-17 ans plutôt. Où d'un seul coup, ça, j'ai grandi, j'ai poussé. C'est la soupe en Corrèze, c'est ça. Elle est bonne, la potée, la soupe, elle est plutôt pas mal. Du coup, que l'ancien président de la République n'a pas assez mangé de soupe. Président Hollande, qu'on embrasse. après cette période et cette épopée avec Tulle, tu es contacté par le Stade Toulousain. Oui. Pas de bêtises, donc là pareil. Oui, c'est alors les contacts, c'est parce que c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas d'agent là à l'époque. Il n'y avait pas trop d'agent, c'était un peu fandango, mais ouais. En fait, il y avait Michel Coutin qui jouait, qui est kiné, qui jouait à Toulouse. Et il venait installer son cabinet de kiné à Tulle. Et par cette entremise, il m'a dit tu devrais postuler à Toulouse parce que tu as du potentiel, tout ça. Et puis voilà, en fait, ça a été un peu l'entremetteur et ça s'est fait comme ça. Donc lui est venu à Tulle et moi je suis parti à Toulouse. C'est énorme. C'est... Ouais. En fait, tu t'es proposé, toi directement, c'est à Toulouse. Voilà, t'es venu faire. C'est quoi, un entraînement ou tu... Je suis venu, c'était un peu épique parce que je n'avais pas le permis. C'est un copain qui m'a descendu en deux chevaux.
C'est énorme. Qui m'a descendu en deux choix à Toulouse. On est, bon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'autoroute. Il faut rappeler. Combien de temps tu mettais en deux choix? C'est ça, on m'a mis 4 heures pour, c'est pour, descendre à Toulouse. Et puis, bon, bien sûr, nous, on voulait se préparer. Enfin, moi, j'ai voulu me préparer à l'événement. Je suis arrivé la veille. J'ai sorti de ma campagne. Je voulais voir ce qui se passait à la ville. Tu vois. Donc, ouais. J'ai sorti un petit peu. Et puis, en fait, l'histoire, c'est que j'ai dormi une heure. Et j'avais rendez-vous le lendemain au Bivent avec Christian Massat, qui était vice-président du club. Et voilà, donc j'ai signé comme ça. J'ai signé sur un triptyque. À l'époque, c'était un truc où il y avait trois calques, hein, et ouais. tu signais là-dessus. C'était assez marrant. C'est voilà. Incroyable. J'ai signé au Bivent, et quand il m'a vu arriver, il m'a dit la tête que j'avais. Mais bon, je sais, tu sais, pour un studio, une mobilette et 300 francs par mois, il ne prenait pas trop de risques. Voilà, voilà comment c'était à l'époque. C'était ça. Hein. C'est dingue parce que tu vois, on a eu la chance de jouer ensemble. On n'a jamais eu le temps d'évoquer tout ouais, ça. De raconter que tu es descendu à Toulouse en deux chevaux, que tu as mis 4 heures à l'époque et tout, mais c'est extraordinaire. C'est une expédition. Ah ouais, mais franchement, c'est top. Oh, voilà, si tu veux, la vie bascule parce que, bon, moi j'ai 18 ans, ouais. J'ai ma vie à faire et, bon, entre-temps, j'avais perdu mon père. Et donc, bon, je pars à l'aventure, quoi. Ouais. 18 ans, t'as peur de rien, quoi. Ouais. Et puis finalement, ça se déroule super bien. Il y a une équipe junior, parce que j'étais encore junior. Cette année, junior, elle se passe super. On ne perd pas un match, sauf la demi-finale contre la Voulte, qui est champion de France. Mais bon, malheureusement, il y avait les cousins Cambé qui jouaient en face. Et cette génération junior, Patrick Soula, Thierry Savio, tout ça, donc si tu veux, ça s'est super bien passé. Donc l'amalgame s'est bien fait. Et donc, je me suis senti à l'aise dans une ville, dans le rugby que j'aimais, qui était ma passion. Voilà. Donc, c'est super amalgamé. Et puis voilà, et après, de suite, j'ai pu, très jeune, commencer à faire quelques matchs en équipe 1. Mais bon, voilà, ça s'est fait naturellement. C'est bien parce que tu m'as cité de gros. Hein. Tu as cité Patrick Soula et Thierry Savio, voilà, joueur de la première ligne. Parce on le sait, t'as un amour sans borne pour les joueurs de première ligne. On en parlera avec tes affinités. J'étais, tu vois, il y a quelques temps avec Puyo d'Hospital, qui t'embrasse très très fort, qui est le papa des piliers, il faut le rappeler. Ah, oui, mais c'est bien, on va en parler de tout ça. Justement, tu le disais, tu arrives au Stade Toulousain, c'est l'époque où les juniors, comme ça a été pendant de toutes les générations de juniors qui ont fonctionné. Tu arrives justement après en montant l'équipe première. Est-ce que tu as un peu souvenir de ton premier match? Comment ça s'est passé? Ah oui, alors c'est où le Stade Toulousain n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est évident parce que toi qui es de Toulonnais, je me souviens d'avoir fait un déplacement avec Robert Labattu parce que forcément Robert, tu le connais bien. Oui, c'est quand même lui qui a été un peu te chercher. Qui était le plus grand recruteur que j'ai jamais vu au Stade Toulousain. Le plus grand maquignon de la. Mais bon, un super mec parce que c'était un mec qui a une générosité, une passion terrible pour le rugby. Et en fait, je me suis retrouvé remplaçant, j'avais 18 ans, avec Robert Labattu qui avait 36 ans. C'est pour te dire qu'on faisait les fonds de tiroir. Et parce qu'on aurait pu jouer le chauffeur Jojo, qui était le chauffeur du bus. Parce qu'il y avait quelques personnages qui avaient des contractures, tu sais, le mercredi à l'entraînement. Dès que ça devait dur, partir à Toulon, carrément. Et moi, j'ai eu la chance de démarrer dans ce contexte-là. Moi, j'ai dit oui, je pars, j'y vais, quoi. Parce qu'on avait peur de rien, quoi. On ne savait pas où on allait, à l'aventure, quoi. C'est ça qui est génial. Pour te dire, ouais, c'était comme ça. Et je vois, j'avais pas joué à Toulon, c'était un bon rencontre, quoi. C'était pas Mayol. J'avais pas joué à Toulon, j'étais pas rentré. Et puis, non, le premier match que j'ai dû faire, c'était en bouclier d'automne. Alors, là aussi, il y avait boucliers, il y en avait de partout. Du manoir, bouclier d'automne, challenge Béguer. Il y a des trucs qu'on a défini, qu'on était qualifié, on n'a jamais fait. À l'époque, il y avait combien de clubs? Parce que tu avais 36, 34, 32? Ben, il y a eu des périodes où il y a eu. L'élite, il y avait 16 clubs. Il y a eu des périodes où il y avait 80 clubs. Alors, c'était une phase. Il y avait trois phases de brassage. Tu faisais des poules de 4. C'était un truc de fou. Bon, c'était sympa pour les clubs. Faut pas être péjoratif pour les plus petits clubs parce qu'ils rencontraient des grosses écuries. Mais bon, c'était un peu long et on se faisait un peu chier. Bon, ça a changé. Jean-Marie, donc ça, c'était début. Et puis, au fil du temps, le stade commence à grandir. Commence à s'entourer aussi de grands talents dont tu fais partie. Et après, à partir de là, vous commencez à construire une belle génération aussi avec notamment trois titres, 85, 86 et 89. Est-ce que tu t'en rappelles du premier titre, justement la saison, comment elle s'est passée, comment vous l'avez abordé? Ah oui, ça je me souviens forcément très bien. Mais tu vois, ce que tu te souviens, à mon sens, celui qui te marque le plus, c'est le premier. Après, bon, c'est bien d'y revenir, mais on a eu la chance de pouvoir y revenir, alors que d'autres n'ont jamais connu, mais...
Mais oui, moi j'ai beaucoup de souvenirs parce que il y a une équipe qui est naissante. Et puis il y a surtout ce qui est intéressant, c'est un projet. Il y a Jean Fabre qui est un visionnaire, il aime le rugby. Pour resituer le contexte, et c'est après l'hégémonie bitéroise qui est un peu 11 titres, 9 finales. 11 finales, 9 titres. Et c'est un rugby un peu plus monolithique, tu vois, conquête, rigueux, tout ça. Et nous, c'est un rugby qui est totalement différent. On repensait plus basé sur la reconquête que sur la conquête directe. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est ce qui m'a frappé. D'ailleurs, le premier stage où je suis arrivé, c'était Robert Bru qui était le manager avec Villepreux et Scala, entraîneur. On faisait ça à Font-Romeu, où les athlètes s'entraînent. Mais bon, déjà. Quand on a fait la première séance de tableau noir avec les croix et les ronds, un doliprane, c'est ça le rugby. Je crois que je comprends rien au rugby. Et en fait, bon, c'était assez marrant, mais il fallait se mettre au diapason. Et après, la difficulté, c'était un peu de la situation sur le terrain, mais après, ça rentre, c'est comme tout. Ouais. Et puis, bon, t'apportes ton énergie, ta personnalité, ta fougue, parce que bon, et l'équilibre d'une équipe et d'un jeu d'avant, tu sais très bien qu'il faut qu'il y ait des techniciens, il faut qu'il n'y ait pas que des techniciens. Quoi. Alors c'est énorme parce que tu as côtoyé aussi un trio important, Bruce Kella et Villepreux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué chez eux? Ben, c'est leur vision du rugby, c'est ce que je te dis. C'est que c'était une vision un peu décalée de celle que j'avais moi. On s'est retrouvé pleinement parce que on avait une énergie commune, il y avait une génération qui était plus ou moins spontanée, il y avait des athlètes, parce qu'il y avait Karl Janik, Thierry Mazet, Albert Sigagna, tu vois, c'est quand même des mecs qui étaient passés par le Krebs, qui avaient une culture sportive aussi. Portelan. Ouais. Des fois à Porto, tout ça, bon, après tous les anciens coéquipiers. Non, mais il y avait une osmose entre la solidité, la technique et le côté athlétique, parce que bon, je pense que c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui s'entraînaient 4 fois par semaine, quoi. C'était plutôt deux fois, quoi. C'est vrai que le stade était aussi précurseur dans ce domaine où on demandait quand même aux mecs de se prendre en charge et voir faire des entraînements à côté, en muscu ou en course, si c'était possible. Mais bon, il fallait de la disponibilité. Jean-Marie, rassure-moi quand même, parce qu'on parle beaucoup du jeu du Stade Toulousain, mais avant de jouer, il fallait aussi récupérer les ballons. C'était aussi une de tes forces, parce qu'il y en a beaucoup au Stade Toulousain, dont toi tu as fait partie, de ces joueurs qu'on appelle dédiés aux tâches obscures. Oui. Alors, c'est pas frustrant, mais c'était quand même pas du tout frustrant. Au contraire, c'était important parce qu'il faut le rappeler, notamment sur les finales, tu gagnes parce que vous êtes bon devant aussi. Oui, parce qu'on sait que. On sait que quand tu joues contre Toulon notamment, si tu les vas, tu sais qu'il va falloir quand même t'envoyer, te fradasser quand même les types que tu en passes. Donc on a une motivation particulière là-dessus, parce qu'on n'est pas une équipe seulement qui joue, ça se vérifie tout le temps, mais une équipe qui s'est solide, qui s'est imposée, qui a confiance. Qui a confiance en elle aussi à ce niveau-là, confiance en notre mêlée. Bon, la conquête à l'époque, tu peux pas trop. Il n'y avait pas trop de lift, tu pouvais pas trop sauter, mais bon, on arrivait quand même à dévier des ballons. Ceux qu'on ne déviait pas, mais on allait les chercher au sol, c'était comme ça. Hein, donc, non, ce qu'il y a, c'est que. On a confiance, même si on est mené, on ne s'affole pas, on reste dans le match. Voilà, c'était le cas contre Toulon, on est mené un peu contre le cours du jeu, parce qu'il me semble qu'on domine sur la première en 85, là, mais bon, écoute, eux, ils marquent, première action, ils marquent, et voilà, mais on ne s'est pas affolé, on est revenu dans le match, on était confiant. Il y avait cette confiance qui était entre vous, Tout le temps, parce qu'il y avait une vraie osmose entre les mecs, quoi. C'est l'histoire du rugby, elle est quand même là, c'est reste une aventure humaine, et c'est ce qui nous intéresse, c'est quand même ce qui se passe entre les mecs. C'est ce qui reste après, quoi. Parce que si tu n'arrives pas à sublimer ça, c'est difficile de passer les étapes, quoi. Ouais. Bon, après, peut-être aujourd'hui, dans le contexte pro, je ne sais pas, mais je vois quand même que, notamment pour un club qu'on connaît bien, le Stade Toulousain, même s'ils sont pros, je vois que quand même, les mecs, ils ont la patate, ils ont le sourire, ça fait plaisir. Le fait de vivre ensemble, c'est important. Ouais, je pense qu'ils vivent bien, c'est ça. Ouais. Je pense, mais je te montrerai après des trucs qui vivent bien. Pour revenir sur ces trois titres, lequel t'as le plus marqué entre 85, 86 et 89? Ouais. Alors, pour tout te dire, 85, je l'ai fait, j'avais la cheville, je faisais pas. C'était une époque où on faisait les 8e aller-retour. On a fait 8e aller-retour contre Bayonne, 8e aller à Dax, 8e retour à Agen. Quart de finale, il me semble que c'était Lourdes. Demi-finale, c'était Montferrand. Et finale, c'était Toulon. Et moi, j'avais la cheville naze. Je ne pouvais pas courir, je ne faisais pas d'entraînement et j'ai fait que les matchs. En fait, c'est le groupe qui m'a. Mais c'est énorme. C'est le groupe qui t'a porté. Malheureusement, pour peut-être un garçon plus performant que moi. Mais le groupe, si tu veux, l'affect a fait que c'était.
c'est le groupe qui m'a maintenu dans le groupe, quoi. Ça t'a galvanisé, de toi, quoi, ça t'a galvanisé aussi. Mais ouais, c'est, tu rends compte le truc, la dimension mentale, tu te dis, même sur une patte, il faut qu'il joue, quoi. C'est pas pour me glorifier, mais c'est parce que je voulais pas décevoir mes camarades, quoi. Ouais, c'est ça, de jeu. Mais ça, on sait que toi, t'as jamais triché, hein. Moi qui ai eu de jouer avec toi. Puis, l'année d'après, en 80. Franchement, c'était une de tes forces. Et moi, j'ai eu, franchement, je dis souvent quand on me demande, mais quand t'as débuté, je parle souvent de toi parce que j'ai dit, ça a été mon premier garde du corps. C'est-à-dire que je pouvais faire des conneries, je savais que tu réglais l'addition derrière, donc c'était vite réglé. Jean-Marie, on peut parler aussi de cette génération, tu le disais, des garçons qui ont aussi marqué ce club, autant Carl Janik, les frères Portolan, Daniel Santamand aussi, qui a marqué aussi ce club. Si tu devais retenir quelque chose de cette épopée, ça serait quoi? Je retiens l'aventure humaine. Alors le fait que effectivement on a eu on a beaucoup travaillé quand même, parce que ça vient pas tout seul, ça, malheureusement. Je pense que quand tu es régulier, que tu arrives à gagner plusieurs titres d'affilée, on a beaucoup travaillé parce qu'on avait un jeu à mettre en place. On n'a pas tremblé quand il fallait gagner. On a su gagner quelquefois, en jouant, en étant peut-être un peu plus restrictif, en étant moins ambitieux. Mais bon, après c'est le jeu et c'est les conditions de match. Et surtout, ce que je retiens, c'est les conditions de l'adaptation, tu vois, par rapport au jeu. Bon, nous, on avait des convictions à travers notre jeu, mais on était capable, si on souffrait un peu, dans les moments durs, de s'adapter à ce qui s'est passé en face, quoi. Ouais. Donc, on pliait sans rompre, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça, le secret. Et après, ce que je retiens, c'est une aventure humaine extraordinaire. Alors, je te parlais du démarrage à l'arrivée en deux chevaux, c'est anecdotique, c'est quand même sympa, c'est quand même un beau cliché. Mais putain, quel bonheur d'avoir partagé ces moments-là avec mes camarades de jeu, tous autant les uns que les autres. Et surtout, avoir qu'on a pratiqué un sport qui est quand même extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Et qui véhicule quand même pas mal de valeurs, et qui est un sport à part. Et forcément, on voit bien qu'il est difficile à développer dans le monde entier, parce que c'est quand même un sport qui est aussi quelque part complètement difficile et un peu hermétique sur le plan des règles à comprendre. Je dois dire que même quelquefois, moi, l'arbitre, je ne sais pas pourquoi il a sifflé. Mais c'est ce qui en fait la beauté aussi. Quelque part, on est entre nous. Et alors, bon. Je pense que malheureusement ça ira pas, ça sera jamais le football, quoi. Mais heureusement, parce que ça véhicule beaucoup de choses. Chacun ses trucs, comme tu dis, on garde aussi toujours pareil. Tu parlais d'état d'esprit, l'échange. En fait, ça a tellement de belles valeurs. Alors on dit pas que attention, on met tout le monde. Regarde le problème. On dit pas que les autres sports. On s'accapare pas toutes les valeurs du monde entier. Mais nous, ça reste quelque chose de particulier. Ce qu'on a vécu, en tout cas, on le considère comme ça. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est bien parce que ça me permet de faire une transition sur parler un peu aussi du Stade Toulousain d'aujourd'hui. Comment tu les juges? Comment tu les perçois un peu? Moi, je juge par le bonheur que ça m'apporte, parce qu'on sent vraiment que c'est un groupe qui, c'est pas seulement parce qu'il gagne, on sent que c'est un groupe qui vit bien, qui a le sourire, qui vit ça dans un contexte, ils ont une chance extraordinaire, il faut qu'ils le sachent quand même, d'être professionnel, de vivre ta passion et d'en faire un métier. Alors ça ne durera pas toute la vie, bien évidemment, mais ils ont une chance exceptionnelle, je pense qu'ils le savent, et ils font ça, tu as l'impression qu'ils font ça en toute décontraction, tu as l'impression qu'ils ne subissent pas de pression, ils sont comme tous les autres, certainement, il y a la pression, mais comme ils le vivent, ils sont solidaires, je pense, dans cet événement, dans l'événement, dans l'affrontement, et je pense que c'est ce qui leur fait passer ces étapes-là, quoi. C'est une belle génération, là, le fait qu'ils aient gagné, qu'ils aient fait ce doublé aujourd'hui, il y a 4 ans, on n'aurait jamais parié sur le Stade Toulousain, quoi. Donc l'évolution a été hyper rapide, quoi. Ça c'est super. Et puis je vois que surtout l'amalgame entre anciens et jeunes joueurs, ça a fait progresser très rapidement des jeunes joueurs qui étaient doués. Et ils ont pris la confiance parce qu'il y a aussi une osmose qui s'est créée autour du groupe avec les anciens, et pas que des anciens. Je veux dire, Joe Tecori et Jérôme Queneau, c'est quand même des monstres. Et quand tu vois le degré d'implication qu'ils ont dans le groupe, c'est génial. Je pense que c'est quand même le Stade Toulousain qui englobe tout ça. Et la dimension du Stade Toulousain permet ça, parce qu'on a cette culture-là. C'est vrai en plus. Je crois. Il faut rendre hommage aussi aux entraîneurs et aux coachs, enfin tout le staff. Ouais. Mais
faut surtout rendre hommage à Didier Lacroix qui a ouvert un peu les chakras de ce club parce qu'on était un peu repliés sur nous-mêmes. Quoi. Et le fait d'avoir instauré aussi, d'avoir mis en place, tu sais, une politique de dire, tiens, des anciens joueurs comme Emilien Tamac à la formation, voilà. Jean Casalbou. Libérer des énergies, tout ça, et les synergies, et ça porte ses fruits parce que moi, Jérôme Casalbou, enfin, c'est quand même extraordinaire qu'il y ait autant d'anciens joueurs qui soient impliqués dans le club. Dans ça, club, c'est beau. Ouais, c'est bien. Jean-Marie, on a fini avec cette partie Stade Toulousain. On va parler aussi de l'équipe de France, parce que tu as eu la chance aussi de porter le maillot avec la cocotte. Ça, c'est bien, c'est important qu'on en parle. Tu te rappelles de ton premier match ou pas? Parce que tu commences contre la Roumanie, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Qui était le match piège à l'époque. Il faut le rappeler, c'était le match piège. Oui, parce combien de mecs ont perdu une carrière à cause de ce match-là. C'était encore une équipe où ils étaient encore militarisés. Quoi. Ouais. C'était souvent des mecs qui étaient dans l'armée ou dans la sécurité. Donc, ils avaient des forces athlétiques. Après, ils avaient forcément collectivement, c'était problématique parce qu'ils n'avaient pas trop d'échanges avec les autres nations internationales. Mais c'était toujours des matchs pièges. Ouais. C'était des matchs match à éviter. Des matchs à éviter. Ouais. Ouais. Je me souviens, on avait fait un match à Bucarest. Et c'était je crois que c'est pas la meilleure époque hein, pour la Bucarest. Non, c'était après la chute de Ceausescu. Ouais. C'était dramatique parce que le pays, c'était le chaos total. Et on sentait qu'ils nous recevaient avec. On avait mangé quatre patates avec un morceau de viande, on était dans un truc. Mais c'était une impression de chaos dans ce truc. On se demandait quelque part ce qu'on foutait là. On était venu faire un match de rugby. C'était un peu décalé, quoi. Mais bon, l'engagement était pris. Je me souviens qu'on a laissé, on a laissé tous les équipements parce qu'ils n'avaient même pas de chaussures, de chaussettes. Enfin, c'était triste, quoi. Ouais. Triste. Mais bon, c'est une nation qui s'est construite au fil du temps et qui aujourd'hui fait partie. Qui souffre malheureusement d'échanges parce que c'est ça, si on revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, je pense que malheureusement tu as difficilement la possibilité d'organiser un deuxième tournoi européen, mais je sais pas, ça a pas l'air de prendre quand même. Je sais pas ça de près, mais je sais qu'il y a des Hollandais, il y a des Belges, mais bon, le tournoi B, on voit que ça bouge pas beaucoup, quoi. Enfin, bref. Jean-Marie, dans cette partie-là aussi, tu as la chance de faire une Coupe du Monde, Coupe du Monde 91. Alors je sais pas, est-ce que comment tu l'as vécu toi, parce qu'on sait que ça a été une Coupe du Monde un peu difficile. Je l'ai vécu pas bien, parce que oh putain, c'était infernal parce que d'une part nous on fait c'est déjà le chaos parce que au niveau de la tête de la fédération, politiquement ça se passe pas bien, la suite de Ferras, il y a beaucoup de ça se passe pas bien avec vous, on rentre pas dans les détails, mais on se retrouve aux États-Unis pour préparer une Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on va foutre aux États-Unis, sincèrement, c'est pas le meilleur endroit, quoi. Mais non, c'est ça. On se retrouve aux États-Unis et là, on se rend compte que les États-Unis, la fédération, ils n'ont pas d'argent. Ça va nous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on a fait appel à Serge Kampf, je crois que c'est Serge qui a réglé plus ou moins les problèmes de la tournée. Donc pour te dire si c'était chaotique, parce que c'était tellement mal organisé, sur le terrain, forcément, ça se passe pas bien non plus. Ouais. Ça se passe pas bien non plus. Daniel Dubroca est nommé entraîneur, Jean Trio, il n'y a pas vraiment d'osmose entre les deux, il y a un peu les Belges d'un côté, les Basques de l'autre, moi je suis un peu au milieu. Quoi. Ouais. Difficile de faire travailler tout le monde. Je suis pote avec des Belges, je suis pote avec des Basques. Peut-être tu te retrouves au milieu. Il faudra qu'on fasse une équipe. Ouais. Et en fait, on s'est retrouvé sur une base militaire à Colorado Springs. Il devait y avoir 20 terrains de sport. On a usé toute la pelouse sur 40 mètres carrés à faire des démêlés, des touches. J'ai eu la chance d'en parler certains qui étaient dans cette tournée. Et je crois qu'à un moment, ça a été très chaud aussi. Hein, parce qu'il y avait des mêlées. Il y avait la première ligne basque, la première ligne Béglaise. Parce que je pense que c'était, c'était mal préparé. Parce que au lieu d'essayer de faire une osmose, c'est forcément on a opposé la SQB Hondars et Marocco. À la première ligne Béglaise. Avec Moscato, Gembert et. Ouais, donc là, ça ne pouvait pas marcher. Quoi. Donc, c'était électrique et on n'a rien pu réellement construire dans la confiance. C'est dommage parce qu'il y avait un vrai potentiel. C'est ça qui est dommage parce que quand il y a des mecs comme Camera Béraud, Menel, Blanco, Cella, on avait
génération encore. Il y avait la place de faire un truc ou pas? Ouais, je pense qu'il y avait la place, parce qu'on s'est quand même fait largement entuber contre les Anglais à Paris. Hein. Alors, ouais. Je ne dis pas qu'on aurait gagné, mais ils nous l'ont filé profond quand même. Ouais. Ouais. Ça, on peut le dire, tu sais qu'on a le droit de le dire. Oui, ils nous l'ont filé profond. On n'est pas gêné par le fait, ça. Oui, mais de toute façon, les images le prouvent, hein, parce que Serge Blanco, au premier ballon qu'il a, il se fait massacrer, on prend pénalité contre nous. Ah bon, mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te battre avec les types, tu as une quart de finale de la Coupe du Monde. Que tu pas, t'as une image. Si toi, tu te fais sortir devant, là, tu es le bouffon du truc. Ça a toujours été difficile hein, contre les Anglais. C'est pas l'ami qui m'en est mangé, je te le dis. C'est vrai? Ah oui, parce que j'aurais bien aimé en attraper un ou deux. Parce qu'on a eu l'impression, si tu veux, que les règles pour eux, elles étaient faites pour eux et que nous, on participait au même jeu, tu vois. Ouais. C'est ça, alors, grosso modo, ils avaient le droit de te marcher dessus et nous, on ne savait pas le faire. Quoi. C'est vrai que ça me fait sourire parce que ça a toujours été compliqué contre eux. Nous, on avait vécu hein, dans notre génération, tu vois, des matchs où tu dis, mais c'est pas possible, comment on a pu perdre? Bon, après, on ne va pas remettre nous aussi en cause à l'arbitrage. Tu le disais, donc cette Coupe du Monde se passe. Nous on passe complètement à côté, mais ils ont, il y a eu une génération en 87 qui était super quoi, et après c'était un petit peu la fin de cette entre deux, nous, moi je suis passé là au milieu, et ça s'est pas très bien passé. Après Merizier a repris le flambeau et c'était bien, on a fait une tournée en Argentine, c'était génial, mais bon, la Coupe du Monde ça reste pas un bon souvenir pour moi. Bon, après il reste quand même des choses assez positives là-dedans, tu le disais, tu as passé 2 ans en équipe de France, tu finis ton dernier match contre l'Afrique du Sud. À Lyon, 92, Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que l'Afrique du Sud, il y avait eu l'apartheid, c'était le premier match qu'ils faisaient après la levée de l'apartheid, donc c'était un match particulier. Hein. Ouais. Et puis l'Afrique du Sud, moi j'avais forcément puisqu'il y avait l'apartheid, il n'y a plus trop d'échanges avec eux. Et c'était un match particulier, je me suis rendu compte quand même que physiquement, pour jouer seconde ligne, c'était un peu compliqué pour attraper les ballons. Pourquoi, ils étaient longés ou c'était les mecs vraiment en pointé? Non, mais c'était des Golgothes, quoi. C'est des mecs, tu as fait 15 ans de championnat, tu te dis putain, on est rodé, on a ci, on a là. Ouais, à l'époque, on n'était pas porté par la muscu. Hein. On avait une préparation pas trop. Athlétique que physique. Quoi. Course et athlétique, mais tu sens que tu rentres dans une autre dimension. On s'est tous fait salader contre les Sud-Africains. Jean-Marie, on a aussi, toujours pareil, regardé un peu toute ta carrière et tu as aussi joué avec les Babas. Oui, ça c'est un beau souvenir. Tu as commencé, tu as joué ton premier match avec les Babas contre les Fidji. C'était moins bien parce qu'on a perdu. Ouais. Mais après, tu as joué aussi un gros match contre les All Blacks. Ouais, c'était à Agen pour l'inauguration du stade Armandie et de la nouvelle tribune du stade Armandie. Et ça reste un grand souvenir parce que j'aimais beaucoup, moi, Gary Whetton et j'ai joué face à Gary Whetton et ça m'a enchanté parce que bon, du par les Blacks, c'est sûr que quand tu fais une carrière de toi, tu as eu X sélection, moi après je me suis blessé, j'ai tout obligé d'arrêter, mais après les Blacks c'est quand même mythique quoi. C'est quand même mythique mais bon après moi je sais pas un joueur à avoir d'appréhension ou quoi que ce soit. Tu rentres dans le match, tu fais ton match. Et après, avec les Babas, c'est un peu particulier parce qu'on ne se voit pas souvent, on fait 3 touches avant de jouer. Donc, on sait qu'on peut tout dire, Jean-Marie. On fait plus la 3e mi-temps. Oui. Parce que tu sais, même les gars. C'est l'état d'esprit qui me plaît. C'est un état d'esprit, comme tu le disais. C'est qu'on dit souvent, quand tu vois, nous, on a eu des jeunes aussi pareils qui ont été Babas, et on leur dit, mais la semaine, ils me disent, mais attends, c'est fabuleux, on fait du toucher toute la semaine. On se fait des apéros tout le long de la semaine, et puis là, on est capable de battre n'importe qui. Quoi. C'est ça. C'est un état d'esprit. C'est ce qui t'a marqué aussi? C'est ce qui m'a marqué chez les Babas, c'est exactement ça. Et c'est tout à fait le côté du rugby que j'aime bien, parce que c'est quand même aussi la franche camaraderie, on est des enfants qui voulons prolonger notre enfance le plus longtemps possible, il faut bien le dire quand même. Ça n'avait pas envie que ça s'arrête, mais malheureusement ça s'arrête bien un jour. Mais c'est ça qui, moi c'était cet état d'esprit, c'est-à-dire être sérieux sans se prendre au sérieux, ça me caractérise assez bien. Quoi. C'est tellement toi, moi qui te connais, mais c'est tellement toi. Jean-Marie, c'est déjà la fin. Merci beaucoup en tout cas. Déjà, on a fini. Ouais, on a déjà fini. Regarde, une demi-heure, ça passe vite. Tu sais, j'ai pour habitude de demander à mes invités de prendre le temps qu'ils veulent, 10, 15, 30 secondes, une minute, peu importe, de regarder la caméra et en fait de faire comme tu le sens, de peut-être dire à toute cette génération de jeunes joueurs de rugby,
On va laisser peut-être la cloche passer. Où on y va? C'est l'heure de... Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on s'en fiche. On est entre nous, on et fait oui, comme ça. Bien. On peut pas non plus tout arrêter. Prends le temps. Et si tu as envie de passer un message ou dire ce que tu as envie de dire sur le rugby, ben, c'est pour toi. C'est cadeau. Ouais. Non, ce que j'ai envie de dire sur le rugby, c'est que ben, pour nous, ce qu'on a vécu, c'est quand même des moments de vie extraordinaires. Après, c'est compliqué quand tu as monté ton curseur à ce niveau-là, où tu as vécu des moments tellement intenses avec les mecs. Après, c'est, quand tu repars dans la vie normale, entre guillemets, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça reste une belle aventure. Il faut la positiver, il faut, même si quelquefois on a subi un peu les conséquences. Mais... physiquement, mais ça reste que du bonheur, ça reste plein de choses à partager, et le rugby ne changera pas foncièrement. Je pense qu'une nouvelle génération, ce sera pareil. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est moi le substantiel de ce sport, c'est qu'il faut vivre ça intensément et il faut être passionné. Il faut être, de toute façon, quand tu joues à ce niveau, il faut être passionné. Mais il ne faut pas se prendre la tête et ça reste qu'un sport malgré tout. Hein. Voilà. Et je souhaite beaucoup de bonheur à tous les pratiquants et tous ceux qui suivront derrière nous, parce que nous, on a montré un peu la voie et le chemin. Et j'espère surtout qu'ils le feront dans le même état d'esprit que nous, on l'a vécu. Ça, c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui on parle de rugby professionnel, mais je ne pense pas que le professionnalisme en rugby gâche le plaisir des mecs. Je pense qu'ils ont autant de plaisir que nous, on en avait à se retrouver. Enfin, on le perçoit comme ça en tout cas. Je ne vis pas forcément de l'intérieur, mais je le sens comme ça. Ouais. Ouais. Donc voilà. Merci Jean-Marie, c'était top ce que tu veux dire. Merci en tout cas. Merci mon ami pour ces belles paroles. Oui, mais c'était toujours un plaisir voilà, de te revoir, de discuter, d'échanger et puis d'avoir raconté toute ton histoire. Moi aussi, puis ça me fait plaisir de te voir aussi ouais. Derrière la caméra. nous c'est de temps en temps, mais toi c'est tout le temps et c'est bien. Écoute, ben, c'est gentil. C'est là où on est content, ça rejoint ce que je viens de te dire, c'est que ce soit des mecs comme toi qui fassent ça. Oui, il y a eu Guillard aussi à Canal, c'était énorme. C'est le père de tous ceux qui ont voulu se reconvertir un peu dans les médias. Tu parlais de tourner aux États-Unis, mais Philippe Gilardi, il était avec nous, il connaissait rien. Moi, je connais rien rugby, mais bon, c'est pas grave, on va t'apprendre. Mais c'était un mec extraordinaire, c'est une éponge. Je connais rien rugby, mais c'est pas grave. Et voilà, ils ont construit un truc avec la guille, tout ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Fabuleux. Ça manque, hein. C'est ça, le rugby. Ça manque. Merci. Ça manque, ouais, ben, il faut, parce que quelquefois, une époque qui se un peu déshumanise, il faut lutter contre ça. Le rugby est une arme pour lutter contre ça. Ouais. Ah oui, une belle arme, hein, si on sait l'utiliser comme il faut. Ouais. Jean-Marie, il est midi, c'est l'heure de la cour. Allez, on y va. Allez, on y va. Il faut manger.